Entre possible et impossible, une tension des hypothèses soutenue par le ronflement voluptueux du trompe-l'œil qui, par un effet de prestidigitation cinétique, pose un œuf dans la main du spectateur. Permettait de produire cette matière virtuelle. Le papier et le métal en feuilles se prêtèrent à cette réalisation. J'inscris sur ces feuilles des signes et autres graphismes que je découpais, assemblés et superposés à d'autres feuilles habillées de mêmes signes jusqu'à obtenir une trame homogène, une surface de plein et de vide. Confondu dans la même vibration graphique. Ma matière prenait corps. Le résultat de la technique adoptée me donnait satisfaction. Je pouvais alors opérer avec cette matière. De nouvelles situations, soit l'exalter, soit la ramener à un minimum d'existence pour ne conserver d'elle que sa pénétrabilité, une pénétrabilité suffisante pour que je puisse couler en elle, couler en elle, couler en elle d'autres signes. Sur lequel j'étais passée avec beaucoup de temps,
alignés en plein, en délié et en rature toutes les lettres d'un alphabet mystérieux dont je ne comprenais pas la valeur, mais qui me séduisait tant par l'odeur de l'encre et la petite musique de ma plume qui me dessinait. Noir et blanc. J'en arrive au noir et blanc. Sous forme des chants de percussion, avec mes signaux intemporels. Avec un symbole abstrait en guise de corps ou de tête. Je les ai installés sur des plaques de bois, disposées bien en ligne, les uns à côté des autres, comme une collection. C'était les premiers recensements. Ne pouvant pas laisser ces tripodes perdus dans l'espace-temps, je leur ai inventé une période. La période cratère. Cette idée m'est venue d'une période que moi-même je venais de traverser, période noire, dans laquelle j'avais une sensation d'être enfoncée sous terre par un astéroïde, trou duquel je m'étais extrait pour me retrouver au milieu d'un cratère dont les bords abrupts restaient à franchir. Pour finir avec les tripodes, j'ai pensé que dans l'obscurité de ce cratère, un peu de spiritualité pourrait être utile. J'ai donc réalisé en grande dimension le premier sujet qui était venu dans mon atelier, que j'avais baptisé pour je ne sais quelle raison l'augure. La même matière noire. Puis je leur ai fabriqué un ciel. Un ciel en trois dimensions. Avec plein d'étoiles, pour qu'ils aient quelque chose à regarder. Un cocon à peine plus gros qu'un gland de chêne. Pour l'instruire, on l'informa de sa fonction, de la fonction de cet objet, petite usine technique destinée à transformer une chenille en papillon. La définition d'un dictionnaire tombait tout droit de la poche d'un intégriste de l'arbitraire. On promit à l'enfant que s'il s'en occupait bien, s'il y mettait tout son cœur, il verrait un jour sortir de ce cocon le corps gracile et les ailes fragiles d'un beau papillon. L'enfant prit soin du cocon.
l'empreinte de ses mains, il souffla sur la soie comme pour le réchauffer. Puis, le posa dans un nid de sa confection. Les jours passèrent et l'enfant s'impatientait de ce papillon qui avait déjà butiné son cœur. Un jour, enfin, le cocon s'ouvrit et libéra le corps gras et les ailes gluantes d'un papillon de nuit. Ce jour-là, l'enfant douta. Il douta de son cœur. Il cloua cet innocent sur la porte de ses rêves. Et d'un inconditionnel de l'imaginaire, il devint un inconditionnel de la réalité.